Machin, il saute sous tête, il tombe sous épaule, dossier Guy Philippe. Mesdames, mademoiselles et messieurs, jusqu'à moment, m'a parlé ensemble avec vous là, c'est que Guy Philippe, dans centre de détention immigration, dans le pays, les États-Unis d'Amérique. Donc, frères et sœurs bien-aimés, dans un petit bas de bouche, il était fait ensemble avec VOA Creole, il y a une raison qui fait jusqu'à présent, il n'est pas capable de rentrer dans le pays d'Haïti. Et tout, il y a non monde qui empêche d'entrer dans le pays, parce que, n'a pas un plan pour assassiner, mais jusqu'à présent, il n'est pas capable de joindre un couloir pour qu'il soit capable de faire, une façon pour que le monde pas tellement suspect qu'on connaît ces gros experts dans assassiner les gens dans le pays d'Haïti. Donc, frères et sœurs bien-aimés, rappelez où ça qui était passé 5 janvier 2017 à la traka pour la vekaite nèg politique dans pays d'Haïti passé en bas et puis sorte de ya en bas ke Guy Philippe voyel dans pays les États-Unis. Et rappelez où Guy Philippe te déjà déclaré lui-même immédiatement le porte-parlement za fait pour que sénateur apprend l'argent à gauche à droite pour voter un tel pour voter un tel ma et bien parlement pas marcher encore marcher à couper sec. Et vous connaissez dans pays d'Haïti des fois gon série de nèg c'est là ou fait million c'est là yo brasser c'est là occupé madame ménage etc. Donc automatiquement Guy Philippe te fait déclaration ça li vin yo menace pour yo. Dans le moment là que n'a pas parlé là, ça qu'il faut pas qu'à retourner la caille exactement. Oui, il a dit ça que l'euro bon peine ou fait 85%. De 85%, le président Trump en 2018 signé, il dit si tu es en prison, pas bataille, ou pas championnat, si tu pas bagarre, il faut que tu retires un an sous moi encore. Donc tu retires un an avant sous moi. Il fait 6 ans et demi. Il était supposé la game depuis 7 mars 2023, selon et sa président Trump signé. Ça qui passe. Mais la game 7 septembre, 6 mois après. Donc nous faisons tout le temps, légalement. Je dis à la m'vine immigration pour mal en Haïti. Normalement, soit bataille quand immigration Kembola, 90 jours, bagaille, pour bataille souveraineté États-Unis. Moi-même, depuis le premier jour, je viens à l'Haïti, je me dis pas vrai faire 1 seconde États-Unis. Vous et Haïti. Le bon 14 jours, normalement, le bon me dit pour t'as réfléchi, souvelé, pour voir est-ce qu'on vient à l'Haïti. Moi, je dis mon tiré doit ça. Doit 14 jours à retirer pour me voir Haïti aujourd'hui. Mais pour finir de mon liste pour m'aller. Mais je finis de me faire appel, de m'aller, l'homme va aller, on dit non. Le gouvernement haïtien dit non. On ne va pas rentrer à Haïti. Aïe, 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 ça qui passe. Moi, je dis que l'immigration, ça fait bluff au bail parce que connaît que le gouvernement haïtien va pas pousser d'entrer en Haïti parce que la loi internationale, déclaration universelle des droits de l'homme dit qu'il n'y a aucun chef d'État qui va empêcher un citoyen d'entrer dans le pays. Effectivement. Lorsque la situation, côté États-Unis d'Amérique, qui vit dans les champions de démocratie, champions de la loi, dans le pays, qui kidnappe comme sénateur et en fonction, pour se dire qu'on est bon là, illégalement, les clés pour nous connaître là-haut, c'est physiquement le besoin d'éliminer. Vous-même, c'est otage, n'a pas de faire joindre pour comprendre comment vous éliminez les citoyens. Donc, il n'y a aucune raison légale pour nous mettre otage. Très bien. Avant d'aller dans le détail, ça, dis-nous qui ont les conditions de détention qui j'en lié ou c'est au monde qui libre puis sauf une puis j'ai nous d'après ça nous connaît normalement yo la gueu ou son monde qui libre mais qui pour aucun entrer la caillou mais la condition quoi qui j'en lié exactement koto ya bon condition que m'y là il pas différent de condition que m'y depuis 7 ans depuis 6 ans depuis 6 ans et demi depuis américain avec gouvernement corrompu Haïti et été fait et contrôlé yo kidnappé un sénateur en fonction. Donc, vous connaissez Valérie que, en plus, faut attendre les dans la rue et Guy Philippe, son sénateur élu, il va être pris différemment. C'est parce que Mounio est journaliste qui a dit ou bien il a intérêt pour le deal, ou bien il n'a pas fait ses recherches, puisque selon la loi haïtienne, selon l'article 95 constitution de l'IA, amendée, moi, son sénateur en fonction. Parce que l'élection n'a pas été faite en retard, et dès que vous publiez le journal officiel, là, dès que vous validez ce scrutin, vous arrivez à valider ce scrutin, moi, je viens en sénateur en fonction. Donc, depuis le soir, depuis le décabre, on paye tout le temps qu'on parle de démocratie. Parce que l'Amérique n'est pas bon vers l'autre de la loi de démocratie. Respect démocratie. Respect la loi. Et pourtant, il n'y a pas incité à rentrer dans le pays pour kidnapper un sénateur dans le pays, malgré que tu n'as aucun loi d'extradition. Il faut reconnaître qu'il faut un deal. Tu n'as aucun loi d'extradition entre Haïti et États-Unis qui permettent que vous fassiez ça. Ce sont des ordres, ce sont des bagailles que vous campez dans le pays d'Haïti.
bien entendu, qu'on traité d'extradition de 1904, qui est l'autre bagaille de l'autre crime. Mais pas pour aucun traité d'extradition. Il n'y a pas rien que René Préval de signer avec Madame Madeleine Albert en 1997 réellement. C'est menti. En 1997, il y a aussi un accord de coopération qui a lutté contre le trafic de drogue dans l'espace aérien avec dans la même territoriale. Mais il prend ça, et surtout, on bagaille que Aristide signé en 2002 qui permet pendant un an pour rentrer pour venir kidnapper les Colombiens qui sont en Haïti. C'est ça que Aristide signé ensemble avec les États-Unis en 2002. Il a tout prendre. Malgré que la Chamba jamais ratifié, il prend, et c'est avec Bassou Balza, il y a marché kidnappé Haïtien tout le temps, avec complicité, toute ministre de justice, avec complicité, tout commissaire gouvernement, et avec complicité, toute DCBJ. Donc, moi là, depuis septembre, sans otage, et vous songez que Guy Philippe, c'est le chapeau haïtien, le pape Escobar haïtien. Et quand vous arrivez là, on va dire aucun dossier d'homme, puisque ce dossier a essayé de fabriquer. Ils ont dit que Guy Philippe, oui, en 2000, nous avons des preuves que nous avons arrêté deux bateaux. Et le capitaine nous dit c'est où ils ont été au Cap, ils ont été commandant au Cap. C'est où ils ont été payés pour rentrer, et ils ont été payés le 13 avec le 17 janvier 2000. Alors, le roi dit que premièrement, il dit avocat, premièrement, pas de commandant Zilo Cap, maintenant ça c'était commissaire là, c'est tiers. Deuxièmement, le 13 à 17 janvier, il dit que Haïti, dans le bureau, nous devons. Je vous rappelle que lui devient le commencement de l'année 2000, moi-même, moi, Miami. Et mes passeports, mes copains de Miami, et mes clients qui démarrent Miami parce que petit peu Aïcha, après, c'est Miami. Donc, le roi au brun, le coup, il change. De trafic de drogue, vous avez dit, c'est money laundry. Money laundry, je n'ai aucun code. Je n'ai jamais un code qui est code là-dedans. Mais je dis, vous déclarez que Guy Philippe gagne 3 millions et demi. Et tant que vous ne pouvez pas faire, vous dites, en 2003, nous avons donné un gros dépôt dans ce sujet de banque Haïti. En 2003, pendant que tout le monde, tout Haïtien, qu'on a mis en exil en République Dominicaine, on a Haïti président, donc nous avons rentré dans ce sujet de banque avec un malheur de l'argent. Et puis nous avons fait un dépôt. Ok. Donc, donc, c'est deux ans que j'ai fait. J'ai toute loi, statute, et on t'en limitation. Ça veut dire qu'on t'en fait faire, parce que j'ai dit en 1997, et j'ai arrêté en 2017. J'ai dit qu'en 2005, j'ai eu mon mandat contre mon bureau arrêté. Et pourtant, en mars 2006, moi, en tant qu'ambassade américaine, sous invitation, moi, bureau avoué, nous, by blague, j'ai eu bon visa. Depuis qu'il est États-Unis, à diplomate, qu'on a by blague avec fugitif. Sous des mandats, contre moi, en 2005. Mais pour que ça soit fait avant 2006, un bon ambassadeur sous territoire pour arrêter nous. T'es chargé. Pour montrer que pas de jambes mandats. Son bagage est fabriqué. Bagage est inventé. Parce que vous parlez de discours politiquement. Parce que vous parlez de j'aime camper sur question de bataille contre corruption. Et surtout, sur question que Haïti est un État souverain. Et Haïti supposé mettre des stèles. Ok, l'audit, vous parlez, mais vous parlez évidemment de. Du département d'État, de américain. Est-ce que c'est ça? Pardon? L'audio par remet et discours là. On va parler de qui est-ce exactement? On va parler de l'ambassade américaine. Ambassade américaine. Toute femme victime, c'est l'ambassade américaine en complicité avec les corrompus, les machins de pays, les crasés Haïti tout près. Ok, nous comprenons, mais quand même, Guy Philippe gagne au moment et n'a pas les fonti retour dans le temps, époque côté que Aristide était sous pouvoir, où tu prends les armes, où tu apparemment t'as goumé pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Et là, il te dit que Américain était d'ailleurs. Et États-Unis, Américains, ambassade là, d'ailleurs, d'après ça, ils ont fait comprendre. Qui vont répondre à la perception ça? Bon, bien entendu, en 2004, il y a un mouvement contre Jean-Bertrand Aristide. Mais c'est pas un mouvement que Guy Philippe initié. C'est un mouvement que le peuple haïtien a initié. N'a pas songé que nous avons deux Aristides. Aristide qui était plus ou moins bon, qui était vrai son bagage là. Et Aristide, c'était que Blanc voulait retourner en 1994, là, qui pour le rentrer dans le pays, obligé. Moi, des Blancs, 24 000, 23 000 marines américains. Qui est en sérieux? Qui patriote? Qui haïtien? Pour nous entrer dans le pays qui va demander des Blancs pour le bal, 23 000 marines. Et tout le monde qui t'a bien interprété pour penser que Blanc a voulu 23 000 marines, la première mettre au pouvoir, doivent toujours te contrôler le pays. Qui côté qui bon? Blanc qu'on fait, hein? Blanc qu'on fait, hein? Blanc pas faire, il bien calculé à faire les piles pour voir. Depuis ou parti? Ou comment ça demande étranger sécurité ou pas dit contrôle ou pas souter encore ou pas dépendre de tête ou encore tendez bien papa ici dès pour parti sous dossier sécurité
Ou pas dit contrôle ou. Parce que sécurité a pral vin à manger. Manger a pral vin à éducation. Éducation a pral vin avec soin santé. C'est youn après l'autre. Et puis c'est comme ça, hein? Ou a tombé. Ou a fait bac. Ou a fait bac. Ou a fait bac. C'est comme ça va y aller. Parce que si ou pas ka sécuriser tête, si ou pas ka sécuriser citoyen, qui sort pral kabay? Si c'est étranger qui a sécurisé, il y a un contrôle, oui. Tout ça a fait net, oui. Donc, à partir de ça, il a commencé à faire des propositions. Il a commencé à jouer dans ses velles. Et immédiatement, il a fait des propositions. Il a fait un don. Il a calé. Parce que c'est eux-mêmes qui protègent. La vie ou dépend de eux après bon Dieu. Il a fait tout. Il a fait n'importe quoi bagaille ensemble. C'est pas pour sans raison, non? Où est pays les États-Unis, la Russie, la Chine et même la République Dominicaine qui collent ensemble avec nous? Par année, quantité milliards de dollars, vous avez mis disponible pour capable renforcer service intelligence. Parce que sécurité en pays, c'est cerveau pays allié. Immédiatement, on lève cerveau pays ou remettre on l'autre équipe.